eSports avec Adidas et SFR vous présente FIFA 10, le championnat des pros. Dans l'épisode précédent, Johan Odell s'est fait peur contre Adil Rami. Après avoir mené 3-0, le Valenciennois s'impose finalement 3-2. Le match était nettement plus serré entre Mandanda et Mavuba. Les deux hommes se sont quittés sur un match nul, un partout. Aujourd'hui, place à la troisième et dernière journée de ce groupe D. Le leader, Johan Odell, affronte Steve Mandanda, qui a besoin d'une victoire. Bon match. Bon match. Après les formules de politesse, pas de round d'observation sur le terrain, le Real de Johan Odell débute tambour battant. Qu'est-ce qu'il fait d'entrer là comme ça? Ah, Karim, il est chaud, hein, c'est bien connu. D'entrer comme ça, il fait pas de cadeau. Mandanda n'est pas vraiment satisfait de la sortie de son gardien. Eto'o, en revanche, est bien plus efficace. Eh oui, c'est ça, Samuel. Ah, mais ça, c'est la défense du Real, ça. Putain, ils ont pas de défense, c'est normal. Merci, je joue sans défenseur. Bah ouais. Friable défensivement, le Real est en revanche intraitable en attaque. Mais lui, il fait quoi? Lui, il est par terre là-bas. Il est dans la ligne avec le gardien, mon gars. Il joue plus haut. Après Benzema et Guti, c'est au tour de Cristiano Ronaldo de faire parler la poudre. Le jeu est trop. Profitez votre jeu là. Ah mais tu sais, de toute façon, Ronaldo, tu sais qu'il est obligé de mettre son but à chaque fois. Avec cette frappe lointaine de Ronaldo, Odell fait le spectacle, mais vous n'avez encore rien vu. Guti va faire parler la puissance et la technique. Oh là là là. Non, là, c'est le Real. Parce que c'est chez moi, c'est pour ça. Oh, faut arrêter de tricher, là. 4 ans, ça y est, il n'y a plus de match. Là. À la mi-temps, Steve Mandanda est totalement dépité. C'est que la mi-temps 4 ans, donc c'est-à-dire que je suis dans la merde. Mandanda est pessimiste, mais pas très loin de la réalité. Regarde l'autre comment il couvre là-bas. Non, là, il pouvait pas louper, là, il pouvait pas louper. Mais regarde l'autre comment il couvre. Des problèmes d'alignement défensif et de réalisme offensif. Eto'o tergiverse, mais l'Inter marque quand même. T'as comment on se bat? Oh là là, qu'est-ce que tu fais? Oh non, ils sont pas sérieux. Le but, il est pourri. Franchement, j'ai même pas envie d'être content. 5-2, ce sera le score final. Bravo, bravo. Non, bravo à toi, bien joué, bien joué. Bon petit match. Mais ouais, c'est. Bravo à moi, non, mais c'est mon. Gueule, en plus. Non, c'est mon gardien qui a fait la diff. Non, j'avoue, franchement, tu vois, bon, non, c'est sympa, ça va, tranquille. Bravo. Tranquille. Ensemble, bon petit match. Il taquine bien. Et puis voilà, moi, j'essaie de jouer avec la technique du Real Madrid. Et les individualités devant Cristiano Ronaldo et Benzema qui ont fait la différence. Après le festival du Real, place au duel entre Lillois. Mavuba affronte Rami. Le vainqueur se qualifiera pour le prochain tour. L'enjeu est de taille. Pas le droit, les gars. Pas le droit, les gars. Pas le droit. La première occasion est pour l'Inter de Mavuba, mais le Chelsea de Rami réplique aussitôt. Dans ce match fermé et tendu, c'est Chelsea par l'incontournable Drogba qui ouvre le score. Ah non ! Ah ! T'en plains pas, vas-y, tranquille. T'as le temps, tu vas égaliser calmement. Mavuba a le temps, mais Chelsea est tout proche de doubler la mise. Mais yes ! Yes ! C'est un truc de ouf, je te jure. Yes. Ouh, allez les gars, c'est des signes ça, c'est des signes. À la mi-temps donc, avantage à Chelsea et à Adil Rami qui mène 1-0. Allez les gars. On va en avoir une. L'Inter en aura une plutôt que prévu, mais Diego Milito est maladroit. Non, j'ai pas le droit. Facile tout terrain. L'Inter est offensif et ce choix paye. Mavuba récupère très haut le ballon et Eto'o termine le travail. Pressing tout terrain, les gars. Il va rentrer dans la tête, il va défoncer le mec. Je suis dans la merde. Pressing tout terrain. Un partout, c'est Mavuba qui est qualifié. Chelsea le sait et pousse. Oui. Oh putain, il est nerveux. Drogba manque la balle de match. Les deux équipes se quittent donc sur ce score d'un but partout. Franchement, j'avais misé sur 3 matchs nuls pour me qualifier, c'est ce que je fais. C'est un truc de fou, je te jure. Écoutez, ouais, moi j'ai juste... 13 frappes à 3 vous, et... Vous juste oubliez ça. C'est le championnat des pros. Des pros. Ouais. Les autres, on les met dehors. C'est ce qu'il lui manque à lui. Il lui manque les championnats des chanceux professionnels. Chanceux ou pas, Mavuba se qualifie en compagnie de Johan Odell. La compétition s'arrête là en revanche pour Rami et Mandanda.